La Grande-Bretagne a gagné la guerre contre les Français. Mais c'est nous, le peuple américain, qui en subit le coup. La façon dont les Britanniques nous traitèrent créa une vague de mécontentement qui se répandit rapidement dans toutes les colonies. À Boston, un groupe d'hommes déguisés en Indiens embarquèrent à bord de navires britanniques et déversèrent toute la cargaison de thé dans le port. L'Amérique fut balayée par un vent de rébellion. Et malgré les nombreuses tentatives pour négocier, nos revendications ne trouvèrent aucun écho. Ce refus systématique d'accepter la création d'un nouvel ordre dans les colonies fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres de la Révolution. Et voilà, je me retrouve ici, regardant avec fierté mes compatriotes mettre à bas la tyrannie des Britanniques. Nous combattons pour la liberté, un moteur plus fort que les mots de n'importe quel général. Nous aurons besoin de cette force dans les batailles à venir. Les Britanniques ne renonceront pas facilement au contrôle qu'ils exercent sur nos villages. La bataille sera rude, mais la récompense sera infinie. Et c'est le sort de la ville de Boston qui est en jeu. Vos hommes sont retranchés à Bunker Hill, alors que les Britanniques sont en train d'organiser un assaut décisif. Vous devez tenir la colline et repousser les Britanniques à tout prix. Votre artillerie est la clé de la victoire et risque fort d'être soumise à une forte pression de la part de l'armée britannique. Utilisez-la judicieusement. Attendez-vous à ce que les Britanniques lancent une attaque frontale sur les collines. Mais gardez à l'esprit qu'ils pourraient envoyer leur cavalerie et leur infanterie légère sur les flancs. Si vous tirez profit du terrain et des bâtiments, Boston sera à nous.
Alors que la guerre faisait rage, les membres du Congrès continental se réunissent pour signer notre déclaration d'indépendance, le document fondateur de notre grande nation. Une nation où les principes de liberté, d'égalité sont défendus par des hommes justes et honorables. Je marche et je pense avec affection à mes hommes et aux sacrifices que certains vont entreprendre. En sous-effectif et mal nourris, nous sommes pourtant en marche pour nos croyances, nos familles et notre liberté. Cette guerre ne sera pas facile. Des vies seront perdues et des familles détruites. Mais c'est le prix de l'indépendance. Le prix pour combattre une cause, une noble cause. La cause de l'humanité. La guerre révolutionnaire a commencé. Malgré la défaite de Bunker Hill, les Britanniques ont subi des pertes si lourdes qu'ils ont été contraints d'évacuer la ville de Boston. Les troupes américaines ont investi la ville, qui est désormais sous votre contrôle. Néanmoins, le reste de l'armée britannique nous est supérieur en nombre, sur terre comme en mer, bien ravitaillée et disciplinée. Si les Américains doivent un jour être libres, leur armée embryonnaire doit trouver le moyen d'inverser la tendance. Serait-il possible de convaincre le plus vieux rival de l'Angleterre, la France, de rétablir l'équilibre ? What do you require? Watching and listening. Yes. Watching our ready enemies. And awaiting orders. Immediately! My eyes are yours. Secrecy is certain. Spying. My honor is to serve. Forward! For crown and country! Strength and honor! Sir. March! Officer on deck! Any orders? Quand
toutes les nations, à quelques exceptions près, connaissent une nouvelle technologie ou idée, cela devient de notoriété publique. Une nation qui demeure en arrière trouvera finalement ce que tout le monde connaît déjà. Mais il sera peut-être trop tard pour utiliser l'information à son avantage. Victory is ours! Troops! Forward! Forward! Forward. For crown and country! Yes? Anything more? Forward! March! Sir, your orders? Your humble servant, sir. More orders? Any further orders? Orders? Awaiting further orders. Thank you.
Loin derrière dans la course aux connaissances, la technologie peut être volée en envoyant des chercheurs dans les bâtiments d'éducation de vos rivaux et en sélectionnant l'objet que vous désirez voler de la même façon que vous mèneriez la recherche. Cependant, se faire prendre peut avoir des répercussions. Secrecy, my watchword. Prepare a new defense. Setting up camp. Ready for battle! Sorry, sir. Virtue and valor unconquered! Raise the flag! March! Rats in a cage! Undaunted! Undefeated! Forward. Ready for orders. Forward for crown and country. Make ready. Your humble servant, sir. Your orders? We are mighty and unbowed. Yes? Waiting for your orders.
L'onglet Résumé national permet d'afficher facilement et en un seul endroit d'importantes informations sur l'état de votre nation. March for crown and country! Your humble servant. By the left! March! Any further orders? Sir. Anything more? Humble servant. Waiting for your orders. Awaiting further orders. No one will know. Aha, a place of learning and culture. On mesure la soumission à un système de gouvernement d'une nation à l'ordre public. Si le mécontentement commence à dépasser la satisfaction et la répression d'État à un moment donné, l'agitation qui en résulte alors peut entraîner une rébellion si elle n'est pas contrôlée. Maintenir les impôts à un niveau raisonnable et laisser des soldats en garnison aideront dans la plupart des cas à maintenir l'ordre dans la région. Thank you.
Troops, forward. Une armée sans amiral peut avoir un capitaine directement promu à ce rang. Il suffit de sélectionner un navire et de cliquer sur le bouton Promotion à droite dans la fenêtre de l'historique. Un navire amiral supplémentaire sera créé, dont le coût sera directement déduit de votre trésorerie. By the left, march! Forward, march! Ready and waiting for orders. More orders? Ready for orders.